Octobre et son ruban rose, c'est un mois de prévention contre le cancer du sein. Malgré les progrès faits par la médecine, elles sont encore 12 000. 12 000 mères, filles, sœurs, tantes à décéder chaque année du cancer du sein. C'est beaucoup trop. 60 000 femmes sont touchées chaque année dans notre pays par ce cancer. Toutes les familles sont touchées. Nous avons tous dans notre entourage, dans notre famille, une personne atteinte de ce cancer. Nous devons les soutenir dans ce combat qui souvent les mutile, les atteint dans leur chair, leur féminité, leur désir. Et leur rappeler qu'elles sont belles, qu'elles aient leurs deux seins, plus qu'un seul ou aucun. Il nous faut montrer que l'espoir est là et qu'ensemble on est plus forte. En bougeant, on est plus forte. Dans toutes les infections, le sport peut être une aide bienvenue parce qu'il prouve qu'on peut sans cesse se dépasser. C'est aussi ça, lutter contre un cancer, le dépassement de soi, lutter contre les cellules de notre corps qui jouent contre nous-mêmes. Pour accompagner ces enfants, ces femmes et ces hommes qui sont touchés par le cancer, les associations nivernaises sont présentes. Elles aident les malades et leurs familles à traverser les moments difficiles. L'annonce du cancer, la mise en place du soutien social et sanitaire nécessaire pendant le traitement, l'accompagnement dans la mise en place des soins de confort. Merci à vous tous pour votre engagement.